Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons aborder le gros morceau de Google. Google qui a absorbé tous les ordinateurs du monde, tout Internet du monde, tous les sites du monde, etc. etc. avec YouTube, donc ils font un duo terrible. Les autres ils sont en train de se débattre comme diable, le combat n'est pas égal. Donc aujourd'hui nous avons Google, hashtag partage. Hashtag partage, c'est quoi? Bon, vous allez cliquer ici. Donc voilà, c'est ma chaîne. Là, vous êtes sur toutes mes vidéos. Et bien entendu, vous allez pouvoir tout visiter. Là, vous voyez des personnalités mondialement connues. Il y a beaucoup de sujets, beaucoup de tutos, beaucoup de... un peu de tout. Même TikTok, c'est évoqué. Là, il y a 10 363 vidéos. C'est de la folie. Voilà, il y a des reportages. Voilà. Je dois avoir plus de 220, 230. Je reviens à mon PDF. Je vais regardez, dans ma deuxième page, il y a un article consacré à Google. Voilà, les deux fondateurs Google, le logo, et c'est sous la rubrique hashtag partage, moteur de recherche. Bien sûr, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner dans le cas où vous n'êtes pas encore. Alors, que savez-vous de Google? Il y a une introduction. Normalement, ça, c'est un article de Wikipédia. Vous cliquez dessus, vous allez trouver un très très long article. Je vais le faire. Je clique. Et là, je suis dans Wikipédia. Voilà, c'est cherche Google. Regardez là. Combien il y a de choses à découvrir. Là, c'est le sommaire, que ça, l'histoire, la naissance, début de technologie, diversification de points, croissance, anticipation, réalité virtuelle, réalité augmentée, réputation grandissante, donc les origines du monde, l'histoire. Puis il y a à chaque fois, il y a bien entendu des renvois vers autre chose. C'est plein. J'aime beaucoup Wikipédia parce que c'est vraiment con. C'est très très long, mais là, avec ça, on couvre tout ce qu'on Google. Il n'y a rien à dire. Je retourne à mon PDF. Et dans le PDF, nous avons cette photo. Ça, c'est Google, mais nous avons cette photo qui appartient à un autre site qui parle justement de Google. Et là, vous cliquez sur cette signature-là. Dans la photo, vous cliquez sur cette signature. Je vais ajouter une flèche ici bleue pour que vous puissiez quand même reconnaître. La même chose ici, j'ai oublié de mettre une flèche bleue. C'est à chaque fois que vous verrez une flèche bleue, il faut cliquer et vous allez être redirigé ailleurs. Voilà. Je clique. Voilà, l'article en question. Voilà, le fondateur de Google, qui a créé Google, qui est le véritable créateur de Google, etc. Et puis, il y a un long article ici qu'il faut absolument lire. Voilà. C'est les deux génies qui ont tout fait. Et on revient à notre point de départ, toujours notre page. Dans la page 3, je continue toujours sur la rubrique hashtag partage moteur de recherche, mais j'ai ici 42 vidéos. Et puis, ça parle un peu de tout. Modifier le langage du navigateur Google Chrome en français, anglais plus. Bon, là, il faut cliquer partout. Chaque truc, il faut le cliquer à part et vous allez être redirigé vers une vidéo sur YouTube. Ok. 5 astuces. Il y a beaucoup de trucs. Google Traduction anglais en français, débuter avec Google Sites, etc. Être premier sur Google, les 7 meilleurs outils SEO gratuits. Je vais cliquer sur les meilleurs dictionnaires anglais. Cette Google Traduction avec les termes dictionnaires les plus utilisés par les francophones qui cherchent à apprendre l'anglais. Mais dans cette vidéo, je vais tenter de vous convaincre de ne plus l'utiliser. Je vais vous donner des alternatives beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus pertinentes pour vraiment progresser. Et si j'ai réussi le challenge de vous faire changer d'habitude, dites-le-moi dans les commentaires. Revenons à notre PDF, je vais chercher autre chose. Par exemple, comment créer des animations 3D. Donc par exemple, on va aller ici. Avec la molette d'une souris ou sur un trackpad en zoomant comme sur une image, on va pouvoir zoomer justement. Donc là, admettons, je zoome juste ici. Et enfin, avec la touche Options sur Mac, on va pouvoir faire varier l'inclinaison de la caméra. Typiquement ici, dans mon cas, je suis au-dessus de Manhattan. Donc on a vraiment un plan du dessus, donc on n'a pas vraiment la visualisation en 3D. Et si je maintiens la touche Option et qu'en même temps, je clique avec mon curseur et je fais défiler, paf, la caméra s'incline et on a donc une vue en 3D de la ville. Donc c'est pas très compliqué à prendre en main. Faites 2-3 mouvements et vous verrez, c'est très facile. Du coup, on sert ça. Comment être placé premier sur Google. Aujourd'hui, je vais vous montrer les outils SEO que j'utilise pour pouvoir me classer en première position sur Google. Alors, l'ordre dans lequel je les ai classés et l'ordre dans lequel je les utilise. Premièrement, je fais une recherche de mots-clés sur lesquels je compte me classer. Puis, je vérifie si ma page respecte bien les règles techniques de Google. Premier outil, Keywords Everywhere. Cette extension Chrome vous affiche des recherches associées à votre requête. Après l'avoir installée, dirigez-vous sur Google et tapez dans la barre une requête assez large en rapport avec la page que vous voulez classer. Cette technique peut vous donner des idées de mots-clés à long terme. Lorsque vous cliquez sur un mot-clé, vous ciblez encore plus la recherche. Retour à ma base de lancement, et puis je vais regarder quelque chose d'autre, par exemple ça. Bonjour, mon nom est Marie-Ève, je suis enseignante en 5e et 6e année en Ontario. Et puis récemment, on a appris qu'on devait commencer à faire l'enseignement en ligne, donc l'apprentissage en ligne, à cause des circonstances évidemment du confinement. Donc plusieurs de mes collègues avaient des questions par rapport à l'enseignement en ligne. Et moi d'ailleurs, je me demandais comment est-ce qu'on allait faire pour vraiment transférer tout notre enseignement en ligne. Alors, cette semaine, j'ai vraiment recherché plusieurs ressources en ligne et puis j'avais envie de vous en présenter quelques-unes. Mais pour commencer ce tutoriel, j'ai envie de vous montrer comment est-ce que moi j'utilise Google Classroom en classe. Alors, je m'en servais déjà dans la salle de classe avec mes élèves depuis le début de l'année. Donc, ils sont quand même assez familiers. Alors, je suis chanceuse pour ça. Et puis, étant donné qu'ils sont en 5e et 6e année, ils sont assez... Voilà, je reviens ici. Je vous ai montré un peu tout ce qui se fait là. Je reviens donc à mon point de départ. Bon, c'était une vidéo très, très intéressante sur tout ce que... presque tout ce que fait Google. À partir du premier article consacré sur Wikipédia jusqu'à la dernière des 42 vidéos que je vous ai montrées, vous cliquez, là il y a une flèche bleue comme ça, alors vous cliquez et puis après c'est tout. Ben, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous servira à quelque chose et je vous dis au revoir et à demain, merci.